Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Vini du comptoir de Vini. Alors, je vous fais une petite vidéo très 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 rapide et je vais essayer d'être le plus clair possible par rapport à la nouvelle formule au niveau des consultations. Comment cela va se dérouler? Tout simplement, je vais vous mettre, pas tous les jours, mais de temps en temps, le lien du site. Donc, celui-ci. Hop, voilà. Donc, ce site-là. Donc, au fur et à mesure, donc, vous avez le numéro. Donc, vous avez mes collaboratrices qui vont travailler avec moi. Donc là, vous avez Cora. Ben là, vous m'avez moi. Ensuite, vous allez voir, hein, j'ai fait quelque chose, j'essayais d'être sympathique. Là, vous avez le numéro de téléphone pour les consultations en privé, donc payable par carte bleue. Là, vous avez Émilie. Et là, vous avez le numéro Audiotel. Voilà. Alors, quand vous êtes sur le site. Donc, on va prendre, parce que donc admettons, vous voulez savoir qui travaille à cette heure-ci, le 5 novembre 2020 à 17h32. Vous avez le numéro d'hôtel et juste là, il y a marqué « Cliquez ici pour découvrir le planning en temps réel ». Hop, on clique dessus. Une page apparaît. Et là, vous avez plein de personnes qui apparaissent. Vous voulez savoir, admettons, qui c'est qui sera là, allez, on va dire à 20h. Vous voyez, 20h, 21h. Vous cliquez là. Et là, vous avez toutes les personnes qui vont travailler. Voilà. Donc, il est très facile, très, très facile d'accès. Donc, le numéro d'hôtel, c'est un numéro surtaxé. Donc, vous appelez, vous composez le 0890 30 15 15, vous payez 0,50 centimes la minute. Au bout de 30 minutes, votre téléphone se coupe. Vous avez une consultation avec le voyant ou la voyante que vous avez choisi, qui fasse partie de mon équipe ou bien d'autres collaborateurs. Voilà, c'est pour ça que je vous mets mes voyants en priorité sur le site pour que vous sachiez qui travaille en collaboration avec nous. Du moins nous, parce que mon mari aussi fait partie de l'aventure, il faut le savoir. Donc, vous avez ça. La facture, vous la payez à la fin du mois sur votre relevé téléphonique. Donc, c'est prélevé directement si vous êtes chez Free par Free, si vous êtes à Orange par Orange, si vous êtes chez SFR par SFR. Je vous demande de faire très, très, très attention parce que ça vous devenez très vite addict au numéro de l'hôtel. Faites bien attention à vos relevés. Une demi-heure, ça va vous revenir à 15 euros. Mais si vous appelez 10 fois, ça va vous revenir à 150 euros. Ça serait dommage, donc faites très attention. Ensuite, vous avez le numéro ici. Le numéro fixe, voilà, le 01 71 19 23 30. Donc là, alors par contre, pour l'instant, il n'y a pas le planning parce qu'ils ne sont pas encore opérationnels. Ils sont en train d'être relayés, donc ça veut dire qu'ils sont en train d'être branchés. Donc pour l'instant, ils ne fonctionnent pas. N'appelez pas, pour l'instant, ils ne fonctionnent pas du tout. Voilà, on a les numéros, on a une partie de l'équipe. Ça commence à bien se faire. Donc, les tarifs, c'est exactement les mêmes, mais à la différence. Jusqu'à maintenant, vous payez soit d'un coup 30 euros, soit d'un coup 60 euros. Là, non. Là, vous allez faire le 01 71 19 23 30. Vous allez avoir un petit robot derrière qui va vous demander de choisir déjà le voyant que vous avez envie. Ensuite, votre numéro de carte bleue que vous rentrez vous-même sur votre téléphone. Et ensuite, vous passez en consultation avec le voyant ou la voyante que vous avez choisi. L'avantage qu'il y a pour vous en prenant cette formule-là, donc la carte bleue au 01 71 19 23 30, est d'une. C'est que vous n'y a plus besoin de prendre de rendez-vous. C'est-à-dire que quand vous regardez le planning, quand est-ce que j'y suis, ben vous m'appelez ou Émilie ou Cora ou Viviane, je vais faire sa fiche tout à l'heure ou demain, on verra. Vous les choisissez elles. Si vous restez 17 minutes avec cette personne-là, vous payez que 17 euros. Si vous restez 138 minutes, vous payerez 138 euros. En fait, vous payez 1 euro de minute restée avec le voyant ou la voyante de votre choix. Vous ne payez pas 30 euros et restez 25 minutes. Et vous ne payez pas 60 euros et restez que 50 minutes. Voilà, si vous restez 30 minutes, c'est 30 euros. Vous restez 50 minutes, c'est 50 euros. C'est prélevé directement sur votre carte bleue. Donc, tous les rendez-vous que Michel a annulés, sauf ceux qui avaient déjà payé d'avance. Quand je serai opérationnelle sur le site, ce sera au petit bonheur la chance, c'est-à-dire quand vous me verrez connecté, donc sur l'onglet Planning, ça sera exactement pareil que celui-ci. Voilà.
Ça fera exactement le même, mais cela sera sur les cartes bleues. Je ne ferai pas d'audiotel, hein. Je ferai que des cartes bleues, donc ça sera sur les cartes bleues. Il faudra juste voir que j'y suis à l'heure que vous avez besoin. Ben, si j'y suis, vous composez le numéro. Si je suis en consultation, on vous dira, le voyant est déjà en consultation. Le voyant est déjà en consultation. Le voyant est déjà en consultation. Voilà, donc ça veut dire qu'il faudra rappeler ultérieurement. Tout simplement. Et si je ne suis pas en consultation, ben, du coup, premier arrivé, premier servi. Pour le coup, j'essayais de faire le plus simple possible. On croise les doigts, on croise les doigts que les branchements se fassent pour lundi. Croisez les doigts, comme ça je serai éventuellement présente la semaine. Je ne serai pas présente tous les jours comme je faisais avant. Je ne serai pas présente tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis, tous les vendredis. Parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Il faut que je sois, faut que j'ai du temps pour faire tout ce que j'ai à faire également. Donc, quand tout fonctionne, vous inquiétez pas, je vous le dis. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous inquiétez pas, vous écrivez vos questions en dessous de la vidéo et je vous y répondrai quand j'aurai le temps, c'est-à-dire peut-être demain ou après-demain, la semaine prochaine, l'année, dans 10 ans. Non, je rigole. Voilà, donc je vous répète, donc vous avez le numéro d'hôtel. Le 08 90 30 15 15, c'est un numéro surtaxé que vous payez sur votre facture téléphonique. Vous allez sur le planning, vous voyez qui vous avez envie d'avoir comme voyant ou voyante, soit des personnes de mon équipe, soit des collaborateurs d'autres équipes, d'autres cabinets de voyants. Aussi, non, sur le planning, au niveau de la CB, c'est le 01 71 19 23 30. Là, vous choisissez votre voyant, vous rentrez vous-même votre carte bleue et vous payez le temps resté en minutes. 18 minutes, 18 euros. 43 minutes, 43 euros. Voilà, que ça soit moi ou mes collaboratrices. Et là, il n'y a pas besoin de rendez-vous. De plus, pour les personnes qui vont vouloir avoir par ailleurs un rendez-vous physique avec moi, je reprendrai ces rendez-vous qu'à partir du mois de janvier. Pas avant, parce que je dois tout organiser. Je vous dirai au fur et à mesure les événements qui sont en train de se mettre en place, donc il me faut du temps pour tout. Donc je vous abandonne pas, je vous laisse pas, mais voilà. Donc il y a ça. Le site, il est en train de se monter. J'ai fait une boulette hier soir, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait une boulette parce que normalement vous avez la page et à côté vous avez un bandeau avec du coup, les photos des voyants qui font partie de l'équipe de Vini. Et vous avez le blog. Et le problème, c'est que ça, ben, ça s'est retrouvé tout en bas du site. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai qu'à fouiller quoi? J'en sais rien. Bon, j'en fais un bottles. Du coup, voilà. Donc, pour savoir qui c'est que vous avez comme voyant qui travaille à l'équipe, donc vous allez sur Vini Voyance et son équipe. Donc, c'est vinivoyance.e-monsite.com. Vous avez le lien sur le poste où il y a la grosse boule de cristal. Je vous le mettrai au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Je vais vous faire quelque chose de très joli, de très proche, faire un joli bandeau sur Facebook pour mettre tout en haut avec tout ce qu'il faut comme élément pour que vous ne soyez pas perdu. Vous inquiétez pas, je vais essayer de condenser tout ça. Du coup, on est en train d'essayer de speeder pour les colis. Croyez-moi, il y en a beaucoup. Il y en a un peu ou beaucoup? Énormément. Voilà, donc on fait au mieux, on fait comme on peut, on fait pas comme on veut à l'heure actuelle. Les vidéos de YouTube à l'heure actuelle, je les ai tout simplement mis en privé, je les ai pas effacées. C'est vrai que vous n'y avez pas accès parce que dans peu de temps, il y en a qui vont commencer à comprendre. On n'a plus accès aux vidéos de Vini sur YouTube, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, j'ai bloqué volontairement les vidéos pour des raisons tactiques. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je suis réveillée cette nuit avec ça dans la tête. Bloque tes vidéos. Donc, j'ai bloqué mes vidéos. Je ne le comprends pas moi-même. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est que comment je ne comprends pas, c'est que je dois faire ce qu'ils me disent là-haut. Ensuite, je ne vais pas vous laisser sans rien. Évidemment, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous, vous inquiétez moi aussi. Honnêtement, moi aussi, je m'inquiète. J'aime pas la tournure qui est en train de prendre ce qui est en train d'arriver. Alors, les papiers. Et je pensais aux élections de Donald Trump, hein, en pensant, en battant les cartes. Il y a les papiers et l'éternité qui est tombée. Alors, l'élévation, le temps,
La tentation. Oh, ça gratte. Le choix et le sacrifice. Donc, je reste sur ce que je vous ai annoncé hier dans ma vidéo sur YouTube. Ça va partir au tribunal. Et il va bien gagner. Voilà, il va bien gagner. Je vous invite, si vous pouvez, si vous voulez, si vous avez le temps, si ça vous intéresse, je vous invite dans ce cas-là d'aller écouter les décodeurs. Je sais, vous allez me dire, mais ils sont plus sérieux, Tib. Oui, ben, ils ont répété, je pense, des milliards de fois qu'il fallait s'inscrire à la newsletter pour recevoir le mail, pour savoir où les trouver en vidéo. Moi, j'ai pas eu le temps hier, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Tout de suite, là, maintenant, j'ai pas le temps non plus. Donc, j'ai pas eu le temps d'écouter, mais par contre, j'ai eu des retours comme quoi, en plein direct hier soir, il y avait de la tricherie en plein direct. Voilà, donc, tout se va se mettre en place, ça va mettre un peu de temps, et je sais pas si je vous l'avais dit à vous, je sais qu'à l'équipe de la CIE, on fait beaucoup de vidéos, donc on en parle beaucoup, et il y a beaucoup de choses qui sortent, hein, je le fais pas exprès. J'avais dit, entre le moment où on est censé annoncer l'élection, du moins la validation du président, et le moment où il est réellement en place, il y a un gros laps de temps. Il y a ce laps de temps. Et nous sommes dans ce laps de temps. Voilà, on est en plein dedans. Je ne me rappelle plus si je vous l'avais dit à vous, dans une voyance, ou il y a qu'à la cellule. Je ne sais plus, je dis tellement de choses de partout, dans tous les sens, que je ne sais plus où est-ce que je dis les choses. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore que je voulais vous parler? Oui, demain, ils vont prendre la parole demain. Alors, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour notre pomme? Alors, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour notre pomme? Alors, on va essayer, on va voir s'ils veulent bien nous donner un petit aperçu. Alors, on a la pression. Tu m'étonnes. La croissance, la guérison et les festivités. Nous avons la dame de coupe. Donc, c'est tout ce qui est perspicacité. Le pendu. Le succès créatif. Ok. Donc, hop. Et au niveau de la triade, tu nous sors quoi? C'est marrant, le pendu me fait... Il me fait penser Olivier Véran. Non, je crois que c'est demain qui parle. Hein. Ce soir, je sais qu'il y en a un qui parle. Je ne sais pas c'est lequel. Mais je crois que Macron. je crois que c'est vendredi qui parle. Hein. On a dit c'est demain. Ouais, c'est demain, il me semble. Donc, lui, il me fait penser à Olivier Véran, le pendu. Le pendu, je tourne. Ah bah, alors. Bah, je fais ça parce que j'hallucine. Lui, il me fait penser à Olivier Véran. Je tire la carte de l'éternité à l'envers. C'est rigolo. Pendu, 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 pendu. Les deux pendus. Donc, ben, il est dans la caca Bouddha, le petit garçon. Et moi, j'aimerais bien savoir à quelle sauce ils vont nous manger, là. Alors, il y a la richesse. Il y a le delta. Ah, ce soir, c'est véreux. Véran, ok. Il y a la pénitence. Et le nadir. Oui, je sais que le pendu, c'est une action qui est bloquée. Mais il y a la dame de coupe. Donc, c'est tout ce qui est la nourriture, tout ce qui est au niveau vital. Voilà, la nourriture, l'eau et la perspicacité. Donc, quelqu'un qui réfléchit très vite. Et juste derrière, tu as le pendu. Et le pendu, on me dit Olivier Véran. Il faut savoir que je ne suis pas tarologue, je suis médium. Donc, les cartes parlent différemment quand tu fais quand tu tires un tarot et quand tu as des capacités médiumiques. Les infos se rejoignent, elles ne sont pas données pareilles, mais elles se rejoignent en fait. Ce n'est pas une interprétation des cartes, c'est ni une lecture de cartes, c'est, je sais pas, je pourrais pas expliquer, j'arrive pas à l'expliquer comment. Oui, alors ça j'ai entendu, oui, alors tout ce que vous avez entendu, je l'ai entendu, je me suis mis ces news enfants sonores, donc oui, c'est pas, ils veulent arrêter, ils arrêtent les drives demain. Voilà, ils arrêtent les drives demain. Voilà. Non, ce soir, Momo, ma nénette, c'est véreux. Et demain, c'est... Ouais, c'est... Voilà. Comment il faisait, lui, de Funès, là? Comme ça, il faisait son bruit de Funès. Un truc comme ça.
Bon. Donc, alors du coup, moi j'avais tiré parce que du coup je vous parle mais je regarde pas. Donc la richesse, le delta, la pénitence et le nadir. Donc ils vont encore restreindre certaines choses. Alors j'ai pas cette notion où il y a le mot confinement complet qui est là. J'ai encore plus de restrictions. Et alors, par contre il y a un truc qui me plaît pas parce que la carte de la richesse, j'aimerais bien vous dire ouais ils vont débloquer plein de fonds. J'ai la sensation, je vous le mets avec une très très grosse incertitude pour le coup, la sensation qu'ils vont augmenter les amendes. Je vous le mets vraiment sur des œufs là, hein. Vraiment sur les coquilles d'œufs, hein, je vous mets parce que il y a une augmentation de quelque chose, une punition au niveau de l'argent. Voilà. Donc, ben, ce soir à 17h30, il est déjà 17h46. Donc, je pense qu'il est déjà en train de parler, Sylvie, Monsieur Trump, pour le coup. Voilà. Pour le coup, voilà. Donc, j'essaye de vous donner un petit peu des informations. Mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et on doit malheureusement les vivre. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est comme ça, on subit. Voilà. Hein, pour l'instant, on ne peut rien faire. Pour l'instant, c'est eux qui, on va dire, qui est. C'est un jeu de tennis, là, ce qui se passe. C'est même pas un jeu d'échecs, c'est un jeu. Pardon, un jeu de tennis. Par contre, le jeu d'échecs, c'est aux États-Unis. Voilà. Alors, arrêtez d'être dans. Mais mon Dieu, pourvu que Donald Trump passe. Si vous êtes dans la peur, vous allez pas arriver à être bien. Voilà. À la finalité, j'ai envie de vous dire toutes les voyances qu'il y a eu, oh, ça me gratte, hormis moi, voilà, les personnes qui sont toujours restées dans la même droiture, dans la même justesse. Donc, dans les voyances, vous êtes aperçu qu'elles sont quand même relativement bien. Et elles le sont dans la justesse. Allez les réécouter, ces personnes-là. Ne focalisez pas sur des personnes qui sont vraiment dans quelque chose où ils vous font peur. Voilà, après la pluie, vient le beau temps. Voilà, tu n'as pas tes règles tous les jours non plus. Voilà, l'histoire, oh, vous êtes dégueulasse là-haut. Voilà, donc du coup, ne vous affolez pas, les choses vont relativement bien se passer. Voilà. Moi, je vous fais des bisous. Si vous avez des interrogations par rapport au site, j'ai pas de date. J'ai pas de date. Je croise les doigts que lundi, tous les câblages soient terminés pour que lundi, vous puissiez enfin avoir un visuel sur le planning, autant des collaborateurs et collaboratrices, autant de moi-même. Comme je vous ai dit, j'y serai, mais pas régulièrement, mais j'y serai. Vous inquiétez pas, j'y serai. Pour les personnes qui avaient déjà pris des rendez-vous, et notamment ceux qui ont déjà payé, et seulement que les personnes qui ont déjà payé, vous vous rapprochez en MP de Michel. Je vais lui donner des dates, quand est-ce que je vais pouvoir vous réceptionner. Du moins, faire votre consultation. Mais seulement pour les personnes qui ont déjà payé. Voilà. Pour les autres, ben, c'est quand j'y suis, vous appelez. Et puis, première arrivée, premier servi. Je vous fais des très gros bisous. Passez une bonne soirée. Hein. Mangez plein de bonbons au chocolat. C'est bon pour les dents. Non, c'est pas vrai, faut faire attention. Allez, je vous embrasse. Et des gros bisous à tous.